vous êtes Tom Jones? Item to new jewel. Hey, Tom, Tom, je veux un autographe. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Ce sont des experts, des experts. Si notre propre gouvernement était responsable de la mort de près d'une centaine de milliers de personnes. Si je m'en souviens, ça fait 5 ans et je me prends toujours pour un poulet. Je suis un poulet, Marge. Je présume que tu cherches une explication logique. Vous vous trompez, monsieur. Ce misérable insecte, comme vous dites, était plus humain que le cloporte qui se tient devant moi à l'instant. Emmenez-le. Vous faites pas de pire, juge. On a des déformateurs dans toute la ville. On va vous le trouver. Ouais, toujours les cuisses ouvertes, comme une fleur mourante qui veut qu'on l'arrose. Il cueillait des oranges en Floride. Ses camarades l'avaient surnommé El Penumbra. Ah, la voilà, les tailleurs de pierre. Ouh, ça y est. Ah, espèce de mauviette, je tire un plan. Est-ce que je me serais donné tout ce mal ce soir juste pour te tuer? Non, Max, c'est une toute autre chose que j'ai en tête. Je suis prêt, Max. J'ai passé trop d'années là-dessous. Il est temps pour moi de m'élever, de réémerger. Avec ton appui, ton savoir-faire, ta jugeote. Je ne suis pas né dans les égouts, vois-tu? Moi, je viens de... comme toi. Et comme toi, je veux qu'on me respecte, qu'on me reconnaisse la nature d'être humain. Mais plus que tout, je veux savoir qui je suis comme homme, apprendre qui sont mes parents, savoir enfin le nom que je porte. De simples détails qui, pour les braves gens de Gotham, ont l'air d'aller de soi. Tout le monde naît un jour. Mais tout le monde ne naît pas semblable. Quand ils seront grands, certains deviendront charcutiers, charbonniers, chapeliers ou chameliers. D'autres seront tout juste bons à servir de la gelée de limaces. Mais d'une façon ou d'une autre, chaque être humain est unique. Pour le meilleur ou pour le pire. La plupart des parents croient que leur enfant est le plus beau cadeau qui ait jamais été fait à notre planète. D'autres ont une approche moins sentimentale. Boulot, boulot, papa a besoin d'une paire de chaussures. Yeah! Hey! C'est pas vrai, je suis le seul à jouer au craps ou quoi? Vous êtes Tom Jones? Item to new jewel. Hey, Tom, Tom, je veux un autographe. Qui a un stylo à billes? Hey, c'est pas parce que t'es fraillé comme un pharaon, t'es obligatoirement le chef. Mais regarde ça, c'est n'importe quoi. On est perdu. Il nous a amenés dans un labyrinthe. Ouais, ben moi je repars à l'hôtel. Mesdames et messieurs, vous pensez peut-être avoir vu l'insolite. Vous pensez peut-être avoir vu le bizarre. Moi qui ai eu la chance de voyager aux 5 coins du monde, je peux vous certifier que je n'ai jamais rien vu de pareil. Quand j'ai rencontré cet homme, il cueillait des oranges en Floride. Ses camarades l'avaient surnommé El Penumbra. L'ombre! Parce que quand on travaille près de lui, il vous cache la lumière. Je ne veux pas vous effrayer, madame, mais si cet homme le voulait, il pourrait vous broyer la tête entre ses gros orteils, comme une petite noisette. Peut-être que c'est ce qui s'est vraiment passé. Mais je suis face à cette série d'événements. De coïncidences. Et je me demandais si ce n'était pas ce qui s'est passé, et si quelqu'un d'autre avait lâché ce virus, et si quelqu'un d'autre avait tué tous ces gens. Voudrais-tu vraiment savoir qui l'a fait? Bien sûr. Même si c'était quelqu'un au service de ce gouvernement. Voilà ma question. Si notre propre gouvernement était responsable de ce qui s'est passé à Sainte-Marie et à Three Waters. Si notre propre gouvernement était responsable de la mort de près d'une centaine de milliers de personnes, voudrais-tu vraiment le savoir? Fusil à air comprimé Lindstrat projette une flèche à lancement subsonique Flugger. Ça marche mieux que ton téléphone par satellite? Très drôle. Je l'ai chargé d'extrait de venin de Conus purpurascens, le cône des mers du Sud.
la plus puissante neurotoxine du monde. Elle agit en un 1/2 millième de seconde, c'est-à-dire plus vite que la conduction nerveuse. L'animal est à terre avant qu'il ait senti la piqûre de la flèche. Il y a un antidote? Pourquoi tu demandes? Tu veux te tirer dans le pied? Ne le fais pas. Tu serais mort avant de savoir que t'as eu un accident. Attendez, vous vous trompez de gars. Moi, je m'appelle Simon. Écoutez, écoutez, laissez-moi partir. C'est pas nécessaire de me tuer. J'ai pas vu votre visage. Oh merde, non, 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 non. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Oh, mais c'est vous. Vous êtes toujours intéressé par le cabriolet. Non, 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 je vends des voitures, c'est tout. Ne déconne pas. Oh, je suis pas un terroriste. En fait, je suis plutôt un trouillard. J'ai jamais touché un flingue. Oh mon Dieu, je vous en prie, non, non, je vous en prie, ne me tuez pas. Je suis pas un espion. Je suis moins que rien. Une pauvre crotte de chien. Je suis bien obligé de mentir aux femmes pour les baiser. J'y arrive pas très souvent. Sinon, je ferai rien, j'ai une petite bite. Non. Oh, oh mon Dieu. Est-ce qu'un espion se pisserait dessus, hein? Écoute, Valiante, on a su de sources sûres que le lapin était ici. Et ça a été contrebalancé par des tas de gens. Alors cesse de décorner. Un de ces jours, vous allez mourir derrière. Quant à toi, Valiante, un seul faux pas et on te met, toi et ta lessive, à sécher. Hey, venez les mecs, on met les bouts. Oui, ce n'est qu'une hypothèse, mais... Ici, la devanture du magasin a été pulvérisée. Ouais. Ici, c'est l'endroit où les enfants ont été traumatisés. Ouais. Et c'est là que le cheval a eu peur et a rué dans la boutique de lingerie fine. Vous voyez où je veux en venir. Allez, en vrai, non. Il y a un schéma, un cheminement méthodique qui nous conduit en toute logique ici. Et ? Eh bien, j'aimerais avoir l'autorisation de mener une enquête minutieuse, monsieur. Ah oui, il est vachement beau ce... Oh, bon, c'est pas grave. Ah, quelle andouille cette Lisa. Il faut que je fasse vite, Lucie m'en prend. Bon, alors voyons. Ah, oh, ce côté-là est foutu. Il faut que je lise les instructions en anglais. The grill? Punaise, c'est quoi ça? Oh, oh, tu vas rentrer d'y aller. Oh, ouais, ouais, ça c'est un barbecue qui a de la gueule. Pourquoi que le mien est pas comme ça? Pourquoi? Bien sûr, voyons voir. Je suis un nudiste, un franc-maçon, un communiste. Je suis président de l'Alliance des lesbiennes et des gays pour je sais plus quoi. Ah, là voilà, les tailleurs de pierre. Écoutez, la seule chose que j'ai jamais su faire, c'est conduire un bus. Et les poulets, ils disent qu'il me faut un peuplard pour ça. Les plaintes, ça je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est que vos clients semblent tous avoir compris le fonctionnement de notre système interne. Ce sont des experts, Bob, exploitant la moindre faille, évitant le moindre obstacle. Ils ont pénétré le secret bureaucratique. J'ai fait quelque chose d'illégal? Non. Vous voulez dire qu'on ne doit pas aider les clients? La loi m'oblige à vous répondre non. Nous sommes là pour rendre service. À nos amis avant tout, vous comprenez? Et surtout à nos chers actionnaires. Qui va les aider maintenant, hein? Vous savez, Bob, une société... C'est comme une énorme horloge. C'est comme une énorme horloge. Oui, précisément. Elles ne tourneront que si tous les petits engrenages peuvent s'imbriquer. Et une horloge a besoin d'être entretenue, bien lubrifiée et remontée à bloc. Les meilleurs ont des mouvements à quartz, des engrenages adaptés et conçus pour coopérer. C'est une métaphore.